少女はお茶会に遅れないよう、もう何日も眠ることができない、いや寝れないでいる、寝たらダメだ、寝たら死ぬ。Comme nous l'avons vu dans la série de vidéos sur Aomo Shinrikyo, au Japon comme aux États-Unis, la liberté de culte est totale et le statut des sectes est le même que celui des religions. Certes, le Shinto fut longtemps la religion d'État et reste toujours présente dans les actes impériaux et les cérémonies, mais la société japonaise n'est pas très religieuse. Elle suit le calendrier et les cérémonies traditionnelles par habitude, parce qu'elles sont l'occasion de faire la fête et un peu par superstition. Alors, comme dans toutes les sociétés contemporaines et occidentales, j'inclus volontairement le Japon dans le cercle des pays au style de vie occidental, certains esprits à la dérive et en mal de spiritualité dirigiste se tournent vers la radicalité religieuse. Incapables de régir leur propre vie et de faire face aux grandes questions de l'existence, ils remettent les clés de leur vie à des guides qui les délesteront de la lourde charge de pensée et leur montreront la voie. Malheureusement, ils les délesteront aussi souvent de leur argent et parfois de leur vie. L'histoire de Eto Satiko est assez proche, à moindre échelle, de celle du gourou apocalyptique Asahara Shoko, leader du groupe sectaire et terroriste Aomo Shinrikyo, responsable de l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo qui fit 12 morts et des centaines de blessés en 1995. Même si la nature et l'ampleur de leur culte étaient très différents, ils ont pour point commun ce conditionnement de l'esprit qui, prêt à tout accepter de la part de son leader, peut aussi tuer pour lui. Comme tous les gourous, Eto Satiko a usé des techniques de conditionnement mental propres à briser les personnalités et les volontés, mais aussi insuffler la terreur du monde extérieur et des infidèles possédés par des entités démoniaques. L'affaire de celle que la presse nomma la tueuse aux baguettes de tambour eut moins de retentissement que celle de la secte Aomo dans la société, mais elle reste un cas extrêmement intéressant quant à la nature de celle qui perpétra ces actes d'une rare violence. La seule tueuse en série, elle correspond aux critères, japonaise à n'avoir agi ni par amour ni pour l'argent, mais par fanatisme religieux. En cela, elle se rapproche plus de meurtrières comme Nagata Hiroko, activiste et terroriste de l'armée rouge dont je vous parlerai prochainement, qui, au début des années 70, tua 12 opposants au sein de son propre groupe par idéologie mortifère, ici le communisme. J'ai découvert l'histoire de cette meurtrière d'une façon tout à fait inattendue dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Penchons-nous d'abord sur son histoire. Eto Satiko est né le 21 août 1947 à Sukagawa, dans la préfecture de Fukushima. Issue de la classe moyenne, elle connaîtra une enfance heureuse et s'épanouira dans une petite communauté de quartier soudée, dont ses parents étaient des membres influents. Son père, chef d'une petite entreprise de logistique et conseiller municipal, était un homme autoritaire mais pas brutal, qui menait sa famille comme son entreprise, et ne laissait que peu de place aux loisirs et à l'imagination, religion y compris. Sa mère, elle, était une femme effacée et soumise qui vouait sa vie à ses enfants et à son mari. Somme toute, une famille japonaise assez classique dans les années 50 et 60. Peu portée sur les études et de toute façon destinée à suivre les traces de sa maman, elle sera une élève sage mais peu assidue, rêvant plus d'un beau mariage que de réussite scolaire. C'est lorsqu'elle était élève au lycée de Sukagawa qu'elle rencontrera et fréquentera celui qui deviendra son mari. Loin des clichés de l'homme parfait tel que le rêvait la jeune fille, et surtout ses parents, le prétendant était un garçon un peu bizarre, taiseux et toujours un crayon à la main pour dessiner ce qui l'entourait, mais aussi très intéressé par les nouvelles musiques qui arrivaient des États-Unis et les prémices du mouvement hippie. Le bac en poche, enfin l'équivalent parce qu'il n'y a pas de baccalauréat au Japon, elle l'épousera et se retrouvera vite enceinte de leur première fille. Mais comme le foyer vivait principalement de l'aide financière que le père de Eto lui fournissait en attendant que son mari finisse ses études d'art, elle trouvera un petit boulot de vendeuse en cosmétiques à domicile.
Ainsi donc, elle traversera la préfecture de Fukushima en voiture avec son bébé, faisant du porte-à-porte pour vendre des crèmes de jour et des traitements miracles, et rentrera chaque soir pour s'occuper de son mari et de leur petite fille qui aura bientôt une petite sœur, puis, un an après, à nouveau encore une petite sœur. Lui, un aspirant peintre très porté sur l'ésotérisme, les nouvelles religions, les drogues et le mouvement hippie dont il était maintenant plongé jusqu'au cou, sera victime d'un grave accident de voiture en rentrant d'une soirée trop arrosée et enfumée avec ses amis. Miraculé, il s'en sortira mais sera victime d'une vingtaine de fractures dont plusieurs au crâne et aux vertèbres. Terrassé par la douleur, il connaîtra une véritable descente aux enfers. Souffrant atrocement du dos, il ne pouvait que très difficilement se mouvoir et connaissait de graves problèmes de concentration. De plus, l'accident lui avait fait perdre une grande partie de son acuité visuelle et il souffrait de migraines atroces et quasi quotidiennes. Alors il dut abandonner son activité et se mit à abuser des antidouleurs, à boire et à fréquenter les cercles de jeu. Satiko, elle, redoublait d'attention à son égard et s'en occupait comme une épouse et comme une infirmière tout en travaillant le plus qu'elle pouvait. En effet, il n'y a pas de chômage pour les peintres du dimanche ni de pension d'accidenté lorsque vous êtes responsable de l'accident. Des copains de boisson et de mahjong lui rendaient visite régulièrement et il jouait toute la nuit, buvant plus que de raison et avalant toutes sortes de drogues à la mode à cette époque. Très vite, il dilapida l'argent du ménage et les petites économies de sa femme, et acculé par des gens un peu brutaux avec qui il jouait, et surtout se faisait plumer sans s'en rendre compte, dut vendre leur maison fraîchement achetée pour pouvoir couvrir ses dettes. À la rue avec trois enfants, le couple ne trouvera aucun secours auprès des parents de Satiko, reniant à jamais la fille qui avait épousé un loser désargenté et aux cheveux longs. Mais l'un de leurs proches, un fidèle du mouvement Ogamiya-san, une secte Shinto mêlée de New Age basée à Hifu, les invita à venir vivre au siège du mouvement et s'y installèrent avec d'autres couples pendant quelques temps. Le couple et leur progéniture, trois petites filles, y trouvèrent leur place et très vite, Satiko, qui n'était jusqu'alors pas très religieuse, découvrira ce monde communautaire et s'y sentira à l'aise, protégée des contraintes du monde extérieur. Elle pouvait enfin s'y reposer. Des femmes du mouvement s'occupaient de ses filles pendant qu'elle apprenait les bases de la philosophie religieuse enseignée dans le groupe et se passionnait pour cette histoire religieuse plurimillénaire dont elle ne connaissait rien. D'élève, elle devint professeure pour les nouvelles arrivantes comme l'exigeait le règlement du mouvement et très vite, elle se montra très douée pour la prêche et le recrutement de nouveaux adeptes. Son éducation bourgeoise et ses manières mettaient en confiance les mères de famille venues au centre les jours de portes ouvertes et en quête de quelque chose d'immatériel dans une vie souvent dure et sans reconnaissance. Grâce à elle, l'antenne locale de Ogamiya-san passa de 31 adeptes pensionnaires à 55. Au fil des mois, Eto prenait conscience de son charisme et de ses possibilités. Après 5 années passées dans la communauté, ils quittèrent le centre culturel de Hifu et ouvrirent leur propre antenne du mouvement à Asukagawa, sa ville natale. Mais Eto, gonflé à bloc par la prise de conscience de son charisme et de son emprise sur les fidèles, commença à suivre un chemin assez éloigné de la doctrine Ogamiya-san, minoritaire mais reconnue par les autorités religieuses Shinto. Très vite, elle emprunta de petits éléments propres à la philosophie Shinto et s'arrangea pour les faire correspondre avec sa propre vie et, bien sûr, amorça un virage évident vers une divinisation de sa propre personne. Alors ses prêches, de plus en plus illuminés, tournèrent autour de son roman personnel, de ses contacts avec les plus hautes instances divines et, au bout du compte, sur sa propre divinité autoproclamée. Après que des remarques d'adeptes remontèrent jusqu'au prêtre de Hifu, le centre religieux officiel, le couple fut excommunié et une plainte fut déposée pour utilisation frauduleuse du nom Ogamiya-san. Dès lors, Eto eut les coudées franches et put donner libre cours à son imagination et à sa mégalomanie. Son bréviaire changea radicalement et d'une doctrine de paix et de respect de la nature, elle bricola une idéologie infernale et se présenta comme une déesse investie de la mission suprême par l'être du même nom, celle de purifier le monde de ses démons. C'est en 1992, à la mort de son mari qui avait toujours essayé de la canaliser, qu'elle décidera de créer une nouvelle communauté entièrement centrée autour de sa personne et de son enseignement.
Fine psychologue et au fait des techniques de recrutement dans les milieux sectaires, elle commença à prêcher auprès des gens en difficulté, parmi lesquels beaucoup de jeunes en phase de recherche personnelle, et rapidement séduisit de nouveaux adeptes. Elle organisait de grandes réunions tous les week-ends et beaucoup de fidèles, parfois venus de loin, s'y retrouvaient pour communier autour de la grande prêtresse divine chasseuse de démons. Le quartier résidentiel est tranquille, aux rues étroites et aux devantures sages et discrètes où Eto avait élu domicile, se retrouvait pris d'assaut par les voitures qui se garaient un peu n'importe où, ou les offices bruyants et rythmés par les taiko, de gros tambours traditionnels et utilisés pendant les cérémonies Shinto, résonnaient dans tout le voisinage. Les riverains commencèrent à se plaindre des nuisances sonores et un jour, une voisine excédée vint frapper à la porte de la communauté. Demandant à Eto ce qui se passait chez eux pour attirer autant de monde et faire autant de vacarme, la gourou répondit le plus tranquillement du monde « Nous tuons les enveloppes corporelles salies et purifions les âmes ». Terrorisée par cette réponse, la voisine en avertit le quartier et conseilla à qui voulait l'entendre d'éviter l'endroit. En 1994, la communauté religieuse comptait une quinzaine de résidents permanents, dont Yuko, la fille aînée d'Eto et co-responsable religieuse de l'endroit. L'un des adeptes les plus zélés, Nemoto Hiroshi, 21 ans, un jeune paumé sans domicile fixe, devint l'amant de la guide spirituelle et très vite forma le trio dirigeant du lieu aux côtés de sa divine amante et de sa fille. Très vite, le travail de manipulation mentale et d'embrigadement porta ses fruits et la communauté se referma et commença à vivre en vase clos. La doctrine religieuse de Eto étant basée sur la quête de la pureté et le salut de l'âme, alors elle se mit à imposer des diètes sévères et sans contrôle à ses adeptes et des séances d'exorcisme répétées afin de purifier leur enveloppe corporelle. D'après le credo de la grande déesse, les démons étaient partout et infiltraient les corps et les cœurs, même des plus pieux. Ils se cachaient dans les loisirs populaires, le cinéma, la musique, les livres impies, dans les discours démoniaques des présentateurs de télévision, dans la nourriture trop riche des mécréants, partout où résidait une dose de plaisir se tapissait une entité démoniaque prête à corrompre votre âme. Mais toujours d'après la grande exorciste, le principal responsable de tous ces malheurs était le dieu Renard, une version dévoyée de Kitsune, divinité importante du panthéon Shinto et grand corrupteur des esprits faibles. Pour chasser l'esprit rusé, Eto mit au point un rituel original consistant à frapper les larges tambours taiko avec de grosses et lourdes baguettes en alternance avec le crâne et le corps des adeptes. La musique sacrée et purificatrice entrait ainsi dans les têtes et les corps des purifiés, au sens propre comme au sens figuré. Parmi les fidèles de la secte, beaucoup étaient de la même famille, ayant suivi un mari, une mère ou un amoureux. Très vite, des jalousies éclatèrent au sein du petit groupe et l'une des membres, Ako, commença à faire des remarques sur la relation que Eto et Nemoto entretenaient et sur la façon dont tout cela pouvait détourner les fidèles de la spiritualité. En effet, la divine gourou prêchait une abstinence absolue pour se tenir éloignée des démons tentateurs, mais ne rechignait pas à la tâche toutes les nuits avec son jeune amant, égayant les sages nuits de quelques cris d'extase plutôt œcuméniques. De plus, des rumeurs sur une possible relation entre Nemoto et Yuko, la fille, commençaient à courir et à susciter la révolte dans les crânes purifiés. Ne pouvant risquer une scission au sein de son groupe fanatisé, la déesse vengeresse décréta que Ako et toute sa famille étaient possédés par le démon Renard et ordonna un exorcisme immédiat. Le rituel durera des heures et la malheureuse, son époux et leur fille aînée furent littéralement massacrés à coups de baguettes de taiko, les os broyés et le crâne fracassé. Aucun des trois ne survécut à ce terrible passage à tabac, bien que l'un des participants à cette monstruosité, un ancien médecin, avertit la guide de la possibilité de décès imminente que représentaient les centaines de coups violents sur le corps d'un être humain. La mort constatée, la gourou les fit monter à l'étage et allonger sur un futon après avoir été apprêtée par d'autres membres. Elle leur expliqua qu'ils n'étaient pas vraiment morts, que leurs âmes avaient juste quitté leur corps et que dès que le processus et l'odeur de putréfaction disparaîtraient, ce qui ne manquerait pas d'arriver, leurs esprits reviendraient et ils ressusciteraient dans une enveloppe corporelle purifiée de tout péché et avec une âme immaculée.
De fil en aiguille, chaque week-end, la foule des fidèles qui assistaient aux cérémonies se voyait diffuser le même genre de prêche et nombre d'entre eux furent sévèrement battus par les cadres du mouvement pour purifier leur corps. Certains, embrigadés au plus profond de leur être, se portaient même volontaires pour cet exorcisme brutal, soucieux de s'attirer les bonnes grâces de leur guide suprême, toujours plus alarmiste quant aux dangers du monde du dehors. Quelques semaines plus tard, un couple qui vivait au sein de la communauté depuis le début commença à émettre des réserves sur les pouvoirs divins de Eto, ne voyant toujours pas de résurrection miraculeuse arriver sur ces méthodes plutôt radicales et violentes, mais aussi sur les fortes sommes d'argent qu'elles réclamaient sans cesse. En effet, comme dans la majorité des mouvements sectaires, ceux qui rejoignaient la communauté, comme résidents ou comme adeptes, devaient s'acquitter d'un impôt-cotisation mensuel calculé d'après le salaire ou la fortune de l'individu qui représentait la moitié de leurs revenus. Exposant ses remarques lors d'une séance de parole, il fut décidé d'aider le couple à se réincarner au plus vite avant que d'impures pensées ne leur traversent l'esprit. Ils furent battus à mort pendant une cérémonie et placés eux aussi, en habit blanc, sur un futon en attendant le retour de leurs âmes dans leurs enveloppes charnelles purifiées. Entre novembre 1994 et juillet 1995, ce furent 6 personnes qui furent tuées et allongées sur des futons en robe de cérémonie blanche, entourées d'encensoirs et de fidèles qui priaient jour et nuit pour accélérer le processus. Les rangs des fidèles résidents s'éclaircissaient et Eto régnait sans partage sur le petit groupe restant. Malgré ces petits soubresauts de rébellion, la fanatisation de ces troupes restées fidèles marchait à merveille et de nouvelles recrues affluaient même chaque semaine pour grossir les rangs et le compte en banque de la divine. Mais un jour de juin 1995, un homme de Sukagawa, inquiet de ne plus avoir de nouvelles de son fils, vint signaler sa disparition à la police. Une rapide enquête de voisinage permit aux policiers de faire le lien avec la secte et la femme et la fille de l'homme disparu furent retrouvées alors qu'elles se rendaient à la communauté pour une séance de prière. La police constata que la fille du couple semblait très affaiblie et souffrante. Ils la firent hospitaliser et les médecins constatèrent de nombreuses ecchymoses sur tout son corps ainsi que quelques fractures. Sûr de sa foi et du bien fondé de ses pratiques, la mère, elle aussi marquée au corps, parla de sa religion et de son guide suprême. Elle affirmait que son mari restait à la communauté pour effectuer une purification car il avait pensé un instant quitter le mouvement. Ce fut la brigade de protection des mineurs qui ouvrit une enquête suite aux constatations de maltraitance sur la jeune fille qui, en interrogatoire assisté, semblait ne pas être très sûre de vouloir revoir la fameuse guide suprême. La protection de l'enfance fit son rapport au procureur qui ordonna une enquête sur la secte et son gourou. Le 5 juillet 1995, la police frappa à la porte de la communauté pour interroger Eto sur ses violences, mais en entrant, les enquêteurs remarquèrent immédiatement l'odeur de putréfaction mal couverte par les encens qui régnaient dans les lieux. Ils fouillèrent les bâtiments et découvrirent 5 corps en décomposition allongés sur des futons. 4 femmes, dont 2 très jeunes et un homme. Certains des cadavres étaient déjà partiellement momifiés. Eto fut immédiatement arrêté, suivi de près par sa fille Yoko, Nemoto Hiroshi, l'amant complice, et Sekine Mitsuo, 45 ans, un exécutant des basses œuvres pour la déesse autoproclamée, collecteur de fonds et gros bras à tout faire. Après quelques heures d'audition des membres de la secte et des indications de certains d'entre eux qui voyaient soudainement la réalité de la situation leur sauter au visage, le corps du disparu fut localisé à Takine, à quelques kilomètres de là. Comme les autres, il avait été préparé pour le rituel de Eto, mais lui en pleine nature. Lors de sa première audition, la grande prêtresse exorciste déclara qu'elle n'avait fait qu'appliquer un rituel religieux, certes strict et un peu brutal, mais qu'elle n'avait pensé à aucun moment qu'il puisse entraîner la mort. Elle expliqua aux enquêteurs qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal à personne, bien au contraire, que sa philosophie était basée sur la paix et l'amour de son prochain, bannissant tout acte violent et faisant de l'homicide un péché capital. Ses lieutenants, sa fille ainsi qu'un grand nombre d'adeptes témoignèrent en ce sens et dirent qu'ils étaient également volontaires pour ces exorcismes musclés. La seule qui ne subira jamais un seul coup de baguette fut Eto elle-même car, comme le disaient les quelques adeptes pas encore désintoxiqués, sa nature divine la protégeait de toute faute.
Elle fut donc mise en examen pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et escroquerie. Mais deux témoignages d'enfants de fidèles changèrent radicalement la donne durant les derniers jours des auditions. En effet, les deux adolescents présents lors des groupes de parole témoignèrent de conversations impliquant une intention de tuer certains membres pour purifier leurs âmes et se réincarner dans un corps nettoyé. Le 18 septembre, l'accusation fut requalifiée en assassinat pour Eto et en complicité de meurtre pour les trois autres membres dirigeants de la secte. En 1997, certains adeptes furent également jugés pour complicité, non-assistance à personne en danger, et des peines de 3 à 5 ans furent prononcées. Le pays et sa justice, encore sous le coup des attentats terribles commis par la secte Aomo Shinrikyo, entendaient bien traiter cette affaire de la même façon et ce furent les mêmes experts qui traitèrent le dossier de l'accusation. Bien que Eto Sachiko ait à plusieurs reprises manifesté sa profonde animosité envers Asahara Shoko et condamné les attentats, le processus d'embrigadement était rigoureusement identique et la justice le comprit très vite. Le grand procès de la secte et de ses dirigeants dura plus de 5 ans tant les responsabilités des uns et des autres furent complexes à établir. Le 16 novembre 2001, la cour du district de Fukushima déclara Eto Sachiko coupable de 6 meurtres sériels aggravés et fut condamné à la peine capitale. Sa fille Yoko et Sekine Mitsuo furent condamnés à perpétuité pour leur implication dans ces meurtres et Nemoto Hiroshi prit 20 ans pour complicité passive et possession illégale de cadavres. La peine de Nemoto fut réduite à 18 ans en appel, mais celles des autres condamnés furent confirmées et la Cour suprême rejeta les deux recours des avocats de Eto. Elle fut exécutée par pendaison le 17 septembre 2012 à la prison de Miyagi. Il n'y avait plus eu d'exécution de femmes depuis plus de 15 ans. L'impact de cette affaire sur la société japonaise fut moindre si on le compare au traumatisme durable qu'a causé la série d'attentats de la secte Aomo Shinrikyo, si bien que 20 ans après la fin du procès, elle est quasiment inconnue du grand public. Au moment où j'écris ces lignes, en pleine pandémie mondiale, le comité de vigilance contre les mouvements sectaires redouble d'attention et occupe le terrain face à la recrudescence des recrutements de ces mouvements, surtout en milieu estudiantin. C'est grâce au rapport de ces bureaux d'observation que l'on a pu apprendre que Eto Sachiko, la gourou meurtrière, compte encore une vingtaine de fidèles qui la considèrent comme une martyre et vénèrent sa mémoire. Au début de cette vidéo, je vous avais dit que je vous parlerais de circonstances qui m'ont fait m'intéresser à cette histoire. En 2003, je dirigeais la collection manga des éditions Harlequin et recrutais des artistes pour mettre les romans à l'eau de rose en images. J'eus l'occasion de rencontrer une jeune mangaka, Hamada Rieko, à qui nous confîmes la tâche d'illustrer quelques livres. Peu convaincu par ma mission chez Harlequin, je quittais l'aventure pour me consacrer à des projets éditoriaux plus rock'n'roll. Mais restée en contact toutes ces années avec certains artistes, dont Hamada, elle me confia fin 2018 travailler sur un nouveau recueil de manga consacré aux femmes tueuses japonaises, me demandant si je souhaitais le publier. Retraité de l'édition active, je déclinai son offre, mais nous parlâmes longuement de ses affaires criminelles dont je me préparais aussi à la rédaction pour le premier livre Satsujin et les prémices de ce qui deviendrait la chaîne que vous regardez actuellement. Nous avons partagé quelques informations sur l'affaire Eto Sachiko et elle m'a gentiment offert les comptes rendus d'audience dont je me suis servi pour la rédaction de cette affaire. Pour ça, je la remercie et, le temps réservant toujours quelques surprises, il se pourrait que nos noms soient un jour à nouveau associés sur une couverture. Alors jetez quand même un œil sur les nouveautés manga cette année, qui sait ce qui pourrait arriver. En attendant, j'espère que cette affaire vous aura appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, et passez faire un tour sur Twitch, les lives vont bientôt reprendre. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip et aller faire un tour sur la boutique Spreadshirt. Le Satsujin Shop devrait ouvrir ses portes sans tarder, et mon prochain livre, toujours chez Camion Noir, arrive au début de l'été. Allez, je vous laisse, vous l'aurez compris, j'ai de l'ouvrage. Matanée.